Salut! Aujourd'hui, on va parler des différences entre les États-Unis et la France. Eh bien, aux États-Unis, il n'y a pas de transport en commun. Ou du moins, que dans les grandes villes. Les bus que l'on a, ce sont les bus jaunes. Inconfortables, sans ceinture, tout petits, ils nous prennent devant notre maison et nous ramènent devant notre maison. Dans la plupart des maisons américaines, les serrures sont dans les poignées. Et les Américains ne connaissent pas les clés. Ils font tout avec des codes. Le lycée, c'est le plus gros changement lorsque tu deviens étudiant d'échange. Les 9 heures de cours par jour, les devoirs à la maison, tout ça, c'est fini ici. Tu peux choisir des classes qui sortent de l'ordinaire. Les saisons, les traditions sont même fêtées au lycée. Être lycéen aux États-Unis, tu vois de tout. Ici, il y a les assemblées. Lorsqu'une équipe de sport a gagné la veille ou va jouer le soir, tous les étudiants se réunissent dans le gymnase pour les honorer. Et tout le monde joue à un jeu. Une devise ici, le sport est plus important que l'école. Intégrer une équipe de sport signifie peut-être avoir une bourse complète pour une université. De la plus petite à la plus grande, toutes les traditions se fêtent aux États-Unis. Halloween, Noël, Pâques, la Saint-Patrick, toutes les maisons sont décorées. Les États-Unis, c'est le pays des fast-foods. Au lycée, à la maison, il y aura toujours un moment pour manger un burger, un hot dog ou des tacos. L'intimité, c'est pas trop ça. Tout le monde peut te voir et tu peux voir tout le monde. L'avantage, c'est que tu peux sortir très facilement en cas de danger. Dans ma région, les maisons ne se ressemblent pas du tout. Des couleurs, des formes différentes, toutes les maisons sont uniques. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les États-Unis et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.